Yes, les chums, c'est Cédric Légaré. J'espère que ça va bien. Bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, les chums, grosse journée de prévu. Je suis super fier du char, du projet, de tout ce que les gars ont fait, qu'est-ce qu'on a avancé sur le char. Mais là, aujourd'hui, les chums, je vous montre la nouvelle pièce maîtresse de mon char. Sérieux, c'est la pièce la plus folle. C'est malade, OK? C'est un de mes rêves depuis longtemps d'avoir ça. Là, on l'a, on pose ça sur le char aujourd'hui. Je suis super excité, je suis super content de faire ça. Cette vidéo-là va être malade, les chums. Fait que, enjoy et bonne écoute! Ok les chums, je suis fucking content, c'est juste malade. Ok, on est chez Depetium, live à Victo. On s'en va chercher le plus gros produit, le plus gros colis que j'ai jamais eu. Ok, ça fait fucking 2 mois qu'on l'attend. C'est passé que UPS, c'était vraiment de la merde. Mais là, je suis fucking content les chums parce que c'est rendu à destination. On s'en va chercher ça. J'ai fucking hâte de vous montrer c'est quoi. Ok, let's go les chums. C'est embarqué les chums. Juste fucking trop content, c'est juste malade, ok? Là on s'en va au garage. On va ouvrir ça les chums. J'ai hâte de vous montrer ça. Let's fucking go, mon chum. Fait que la grande nouvelle les chums, transmission séquentielle cette année, on a été avec une transmission faite par RTS, une 6X2, c'est la compagnie, nous on roule cette année une 4 vitesses, c'est la crème de la crème, c'est une des meilleures transmissions séquentielles qui se fait. La 6 va fonctionner, la 8. Ça va être du intégré. On va l'installer la piste. Au cas où on l'a. Non, il faudrait être à la pour que la place doit être après ça. Pendant que les gars sont en train de fitter le bearing de clutch, ben là on est avec Reflect, qui est en train de faire un petit shooting, petite pause de vidéo les chums, je vous montre ça direct là. On est aligné en tabac. Donc, ici on a un vieux char de transmission, ancienne Dogbox à Cédric. Lui, on a de la difficulté à rentrer la nouvelle clutch, à l'aligner, aligner les disques avec le char de transmission, puis l'outil qu'ils fournissent, qui est un petit outil en plastique. Donc, on a décidé de couper le vieux char de transmission parce que c'est machiné plus serreux, puis ça permet un meilleur alignement, puis c'est plus simple après ça d'entrer, de fitter la transmission neuve sur le moteur.
Salut Sylvain. On est en train de tester, voir si notre design de clutch, l'ajustement est correct. Fait qu'on a setupé un handbrake. Un test. Ouais, on a setupé un handbrake hydraulique directement au bell housing parce qu'on peut le démonter d'après la transmission pour peut tout voir ce qui se passe. Fait qu'on va vérifier que tout arrive bien et que tout notre setup soit correct avant de continuer l'assemblage du moteur avec la transmission. Ok. C'est bon. Ah ouais, là on a notre full travel. Est-ce qu'on l'a replié encore là? Non, regarde la clutch avec ça. C'est quasiment de la porn ce que je suis en train de filmer. Ouais. Travailleur la clutch. Là, on a agrandi le trou du shifter pour pouvoir passer la nouvelle transmission. Parce que le shifter arrive à la même place, mais pas nécessairement comme le linkage au bout de la transmission. Donc là, on a agrandi ça. Puis comme ça, ça devrait tout passer. Ok, bon. On a mis une transition séquentielle parce que d'après Tommy, je suis pas shifté. On a adapté le char à mes conditions, fait qu'on a mis une transition séquentielle. Non, la vraie raison, c'est que, ben... C'est pas shifté. Arrête donc, on est juste. La vraie raison, c'est parce que cette transition-là, ben, t'as plus besoin d'embrayage pour shifter. Tu t'en vas avec, tu te sers de la clutch seulement pour avancer ou pour les clutch kicks. Mais tu t'en sers pas pour changer de vitesse. Puis cette transmission-là, on a un module qui nous permet de shifter sans lâcher le gaz, sans peser sa clutch. Puis qui peut aussi nous downshifter avec un throttle blip qui appelle, qui va synchroniser notre moteur avec la révolution de la transmission pour que ça shift direct au RPM sans même utiliser la clutch. Fait que ça revient comme une transition de moto un peu, mais avec un shifter dans un champ. Fait que tu y pousses ou tu sais, puis ça change de vitesse tout seul. C'est juste incroyable. Là, Bisson, il nous a fabriqué un support à transmission, OK? Ouais. Tu nous dis comment t'as fait ça, Bisson? Comment j'ai fait ça? On appelle ça une presse plieuse gâchée. Ça, c'est le chez. Ça, c'est la presse. Tu veux-tu venir me montrer le programme informatique? Tout mon réseau. Ça, on est là. On a la chance d'être super bien équipé à shop, à ma shop de fer, dans le fond. Fait que, on va vous montrer. La plieuse et le chien sont direct la porte à côté du garage. Fait que c'est super simple, super le fun quand on a des morceaux à fabriquer. Vas-y. Faites un petit programme rapidement. Juste pour aller chercher mes deux appuis sur mon frein. La surface ici pour appuyer ma transmission. On rentre les angles à plieux. On rentre les angles, on rentre les longueurs. La programme nous dit quelle longueur de plaque overall là. Comme ça, là, tu plies comme ça, tu replies comme ça. Toute la machine, elle s'ajuste tout seul pour faire ton produit fini. Après ça, ça me donne ça. C'est pas de même. On a rajouté un 90 pour la vie. Puis là, il va rester à mettre ça plus fancy. Ouais, ok. Fait que ça, les chums, résultat final avec le beau support à transition que Bizou nous a fait. C'est sacoche sérieux. Regardez-moi ça.
C'est une œuvre d'art, les chums. Si la Joconde était une pièce de char, ce serait celle-là. Elle est toute beauté, ça. Fait! J'espère que t'as aimé la vidéo, les chums. Bon, chum, j'espère que t'as hâte de voir ça, parce que moi, j'ai fucking hâte d'essayer ça. C'est juste incroyable, OK? C'est malade parce que j'ai déjà dit, mais je réalise un rêve. C'est juste fou raide. Cette transmission-là, là, tu peux shifter aussi vite. Tu peux shifter ton bras peut bouger à 0.5 secondes, mais la vitesse va rentrer en 0.5 secondes. C'est juste incroyable, OK? Bref, c'est ça. C'est Théo de Nichum, il y a encore du truc qui s'en vient. Les gros morceaux sont pas mal installés. Il reste le final tuning. Après ça, on s'en va chez Dépétium pour le dyno. Puis la semaine prochaine, Custom Carbone Création s'en vient. On va fitter le body en carbone. Fait que il en reste pas long, les chums. Ça s'en vient. Fait que patient avec d'autres, les chums. Enjoy. Et sois patient. Il y a plein de stocks qui s'en viennent.